33 degrés à Bordeaux, ce n'est rien par rapport à demain, Météo France annonçant 40 degrés. Du jamais vu en juin depuis 1920, 40 degrés dans la capitale de l'Aquitaine, mais aussi à Agen, et même 41 degrés à Mont-de-Marsan. On a un anticyclone qui est sur le proche Atlantique, provoque une situation de blocage anticyclonique et puis des températures très chaudes venues d'Espagne et un vent d'est qui vient bloquer toute cette accumulation de température sur la Gironde, sur les Landes, mais aussi sur Lot-et-Garonne. Les communes se préparent à cette vague de chaleur, comme ici à Mérignac, où se tenait une réunion de tous les acteurs de la gérontologie. La ville lance un appel aux personnes âgées isolées et a pris des dispositions dès ce matin. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes dans un foyer restaurant qui accueille des personnes âgées le midi. Nous allons les chercher en voiture. Nous évitons de leur demander de marcher trop longtemps à l'extérieur. Donc on a engagé notre propre plan canicule nous, sur la ville. Partout en Aquitaine, nous sommes en vigilance jaune aux températures élevées, sauf dans les Pyrénées-Atlantiques. On saura cet après-midi si l'alerte orange à la canicule est déclenchée.